Lui propose de dépolluer la mer de ses déchets. Stéphane Mifsud, multiple recordman et champion du monde d'apnée, à bord de son Beneteau Oceanis 55, est en Guadeloupe pour l'Odyssée bleue. Il a fait escale avec son équipe à Lens-à-la-Barque pour l'opération Port Propre. 130 enfants ont été sensibilisés à la préservation des océans, aidés de 12 plongeurs. Ils ont récupéré de nombreux déchets. Stéphane Mifsud a ensuite animé une conférence sur la préservation des océans et sur la pollution aux déchets plastiques. Il est interrogé par Bruno Pensiovillon. L'objectif, il est multiple. Il est déjà de faire un état des lieux de la planète avec les enfants. Leur montrer, non pas leur enseigner que c'est sale, mais leur montrer. Afin qu'eux puissent se rendre compte et puissent ensuite prendre les bonnes décisions. Donc, dans un premier temps, on a collecté des déchets dans l'eau et hors de l'eau. Et ensuite, on étale ces déchets. Et on les classe, on voit d'où ils viennent, combien de temps ils vont mettre pour désagréger et à quel niveau ils vont polluer l'océan. Les enfants, non seulement on doit leur faire un état des lieux de cette planète pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils puissent demain, adultes, prendre les bonnes décisions, chose que les adultes de maintenant n'ont pas prise.